Donc, je disais que j'étais ravi d'être là, et vous avez remarqué que dans le titre même de la conférence, j'ai gardé en allemand le mot de Weltliteratur. C'est à dessein, évidemment. Je vais expliquer dans un premier temps pourquoi je garde ce mot en allemand, pour lui conserver en quelque sorte toute sa puissance de signification. Et ensuite, je montrerai ce que ce mot a pu générer non seulement comme réflexion et comme connotation, émotion chez Goethe, mais aussi après Goethe jusqu'à aujourd'hui, en passant bien évidemment par Martin Bodmer, qui est l'un des grands jalons de cette grande histoire des réflexions sur la littérature mondiale. Et j'essaierai de conclure pour vous convaincre, si besoin est, de l'actualité de cette notion aujourd'hui et de ce que une lecture du présent en termes de littérature mondiale peut nous permettre de déchiffrer de l'époque contemporaine. Alors commençons peut-être par le mot même de Weltliteratur. C'est un mot, bien évidemment, et un mot qu'on attribue généralement à Goethe. Et on pense souvent que Goethe a produit un néologisme dans les années 1820 et qu'il est l'auteur, en quelque sorte, de ce néologisme. Or, la recherche philologique rigoureuse, précise, etc., a déterré, en quelque sorte, au moins deux usages antérieurs à celui de Goethe de Weltliteratur en langue allemande. Et je vais les mentionner pour mieux faire comprendre ce que Goethe a pu, lui, apporter de spécial, en quelque sorte, ou de spécifique à ce mot qui était, semble-t-il, en usage dans certains cercles intellectuels allemands. La première occurrence de ce terme, elle a été repérée au XVIIIe siècle, en 1773, sous la plume de quelqu'un qui n'est pas très connu. On va avoir une galerie de gens pas très connus, de Minorès, si vous voulez, mais il faut les exhumer pour bien comprendre le terreau à partir duquel Goethe lui-même a pu penser cette notion-là. Donc le premier à l'avoir utilisé à la fin du XVIIIe siècle, c'est August Ludwig Schlötzer. Donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, moi ça ne me disait rien avant que je lise des articles précis sur lui, scientifiques. Et le mot Weltliteratur apparaît dans un de ses livres d'histoire littéraire de l'Islande. Donc on est dans ce que certains ont appelé le tournant nordique de la culture allemande. On s'intéresse à l'Islande, à la Scandinavie, à la Suède, la Norvège, le Danemark, etc. Et surtout aux sagas, dont on commence à percevoir, disons, une sorte de familiarité avec un Moyen-Âge fantasmé de l'Allemagne. Et donc, August Ludwig Schlötzer, dans un texte qui s'appelle, dont le titre est « Islandische Literatur und Geschichte », la littérature et l'histoire de l'Islande, utilise le terme de Weltliteratur en disant « Au Moyen-Âge, la littérature islandaise faisait partie de la littérature mondiale ». Et pour lui, donc de la Weltliteratur, et pour lui, le fait que la littérature islandaise faisait partie de la Weltliteratur, ça signifiait qu'elle avait atteint un certain degré d'accomplissement esthétique et moral qui méritait de la faire figurer au panthéon des accomplissements culturels de l'humanité. Et donc dans ce livre, de la fin du XVIIIe siècle, il milite pour une meilleure connaissance des sagas islandaises. Et il les compare notamment à la poésie des classiques chinois, en disant qu'on a là un équivalent, disons, épocal, en quelque sorte, scandinave, de ce que la culture chinoise ou la culture grecque antique a pu accomplir dans le domaine de la littérature. Donc ça, c'est la première occurrence avérée du terme « Weltliteratur ». Donc vous voyez que... pour Schlötzer, dans ces années-là, ce qui est Weltliteratur, c'est quelque chose qui arrive à s'élever jusqu'à accéder à une sorte de patrimoine éternel et immémorial de l'humanité. La seconde occurrence avérée du terme Weltliteratur avant que Goethe ne s'en empare et lui donne sa véritable résonance, en quelque sorte, européenne, la seconde occurrence, on la trouve sous la plume d'un autre poète, traducteur, écrivain, intellectuel allemand,
qui était à l'époque très connu, très célèbre, mais qui aujourd'hui est un peu oublié, et c'est Christoph Martin Wieland, qui vivait à Weimar, donc dans la même ville que Goethe, avec d'autres sur lesquels je reviendrai peut-être, Herder notamment, etc. Donc on a un écosystème, une sorte de capitale culturelle à Weimar qui était extrêmement dense. Et alors là, c'est un peu spécial dans le cas de Wieland, puisque le terme de Weltliteratur apparaît, alors accrochez-vous bien, dans une note manuscrite de Wieland sur une édition de sa traduction d'Horace. Autrement dit, Wieland était un grand traducteur de l'époque. Il a traduit Horace en allemand. Cette traduction des épîtres d'Horace est sortie en volume à la fin du XVIIIe siècle. Et dans ce volume, Wieland, parce que Wieland avait l'habitude de retravailler en permanence ses traductions, on a la trace d'une modification de la préface. Et dans la modification de cette préface, il y a le terme de Weltliteratur qui apparaît écrit à la main. Donc c'était quelque chose à l'usage probablement des éditeurs d'une édition ultérieure des épîtres, mais qui n'a jamais, une édition qui n'a jamais été faite. Donc tout ce qu'on sait, c'est que cette occurrence du terme de Weltliteratur, elle est apparue avant la mort de Wieland. Et la mort de Wieland, c'est 1813. Donc c'est bien avant que Goethe lance le terme dans les débats intellectuels européens. Que voulait dire Wieland par Weltliteratur dans ce petit ajout manuscrit à une préface à la traduction d'Horace? Pour lui, la Weltliteratur, c'était quelque chose qui appartenait à la culture latine antique. Donc au temps d'Horace, il existait quelque chose de l'ordre de la Weltliteratur. Et ce quelque chose, c'était notamment la connaissance de culture et de littérature étrangère à la culture romaine. Étrangère entre guillemets, parce que vous allez voir que c'est constitutif même de la culture romaine. Et c'était bien évidemment notamment la littérature grecque. Et donc l'héritage hellène, en quelque sorte, de la culture latine. Donc, Weltliteratur, pour Wieland, c'était une connaissance de culture au-delà de sa propre culture, et une connaissance du passé des cultures, et donc de ce qui a été légué, en quelque sorte, en héritage à la culture à laquelle appartenait Horace. Et il ajoute, ce qu'on peut comprendre si on déplie correctement cet usage-là du terme Weltliteratur, c'est que la Weltliteratur fait partie de la formation du citoyen romain. Autrement dit, cette connaissance des littératures autres que la sienne, elle fait partie de la culture, de ce qu'on pourrait appeler de façon anachronique, l'honnête homme romain de l'époque. Donc, on a là une dimension qui sera cruciale aussi pour Goethe, c'est que la Weltliteratur rentre dans la formation du citoyen, de l'individu, dans ce qu'on appelait à l'époque la Bildung, et donc la Bildung comme projet de formation et de un processus qui permet à des individus, par la culture, d'arriver à une certaine maturité, aussi bien morale qu'intellectuelle que politique. Et qui, je vous rappelle le texte de Kant, qu'est-ce que les Lumières, was ist Aufklärung, il dit l'Aufklärung, donc les Lumières au sens allemand, c'est la capacité pour les êtres humains d'arriver à une maturité intellectuelle et de ne plus se considérer eux-mêmes comme des enfants qui dépendent moralement d'un dieu qui leur serait étranger, etc., etc. Donc là, la Weltliteratur pour Wieland participe de ce projet de Bildung des individus et de la manière dont les individus atteignent une maturité intellectuelle, morale et politique. On a là donc deux occurrences qui ne sont... Alors,
Ce sont des occurrences qui peuvent paraître anecdotiques au regard de l'effet qu'elles ont eu dans la culture européenne, puisque Schlözer, personne ne l'a lu, en gros, après le début du 19e siècle. Et Wieland, personne n'a connu sa note avant qu'elle soit retrouvée dans les archives à Weimar, après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, ces occurrences, aussi fugaces et dispersées soient-elles, nous rappellent qu'il y avait une sorte de réflexion au-delà de Goethe qui portait sur la littérature, les littératures étrangères, le rôle de l'ouverture culturelle dans la formation des citoyens et dans le projet même des Lumières allemandes. Qu'a entendu Goethe par Weltliteratur ? Ça va être le propos de toute ma conférence, en tout cas d'une bonne partie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Goethe va enrichir le terme de Weltliteratur de significations et de connotations qui iront bien au-delà de ce que, à la fois, Schlözer et Wieland ont pu concevoir sous ce terme. Et donc, il serait un peu, disons... injuste de dire que Goethe a simplement été influencé par un milieu, etc. Il a lui-même donné à ce terme une signification qui lui est propre et qui, surtout, va donner à la notion de Weltliteratur un relief tel qu'elle va devenir un objet central des réflexions pendant deux siècles en Europe, puis en Asie, puis en Amérique du Nord, puis dans le monde entier avec une partie de l'Afrique, etc. Et ça, ce sera aussi une partie de mon exposé. Donc, Weltliteratur, c'est d'abord un mot. Mais derrière ce mot, tel que Goethe va l'investir en quelque sorte, il y a une idée. Une idée de ce qu'est la Weltliteratur. Et c'est là que, il faut aller. Faut être très précautionneux. Pourquoi ? Parce que, à force de fréquenter les textes qui parlent de littérature. De Weltliteratur, je ne vais pas le traduire justement, de Weltliteratur, je me suis aperçu que, en fait, la Weltliteratur, c'est une idée qui est très fragile. C'est parfois une intuition, chez Goethe, c'est aussi une utopie, un rêve, une méditation, mais que cette idée-là, elle n'a jamais, lorsqu'elle est utilisée, ni chez Goethe, ni par la suite, elle n'a jamais le renfort, en quelque sorte, d'une armature logique qui lui permet de devenir solide par rapport à d'autres idées. Et surtout, elle est lancée au début du XIXe siècle dans un écosystème intellectuel, philosophique, qui est quand même dominé par le rationalisme de plus en plus positiviste. Et donc, c'est une idée qui essaie de survivre, en quelque sorte, à côté des grandes lois de l'histoire, des grandes lois de la société, etc. Et donc, j'ai défendu cette idée ailleurs, mais je pense que la Weltliteratur, c'est une idée dont il faut prendre soin. Il faut l'accompagner, il faut la déplier avec beaucoup de prudence et de délicatesse. Il faut une sorte de tact de la pensée pour rendre justice à ce qui a été pensé sous littérature, Weltliteratur. Et ce tact même, j'ai essayé de l'engager en ne traduisant pas précisément la notion de Weltliteratur en français, ou le terme de Weltliteratur. Pourquoi ? Parce que dans Weltliteratur, vous avez, alors c'est évident, mais il faut le dire, la notion de Welt et celle de littérature, qui sont mises ensemble, accolées en quelque sorte. Welt, c'est bien évidemment une traduction littérale, c'est le monde. Littérature, ça l'est littérature. Évidemment. Mais qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que veut dire le monde pour Goethe qui vivait à Weimar, c'est-à-dire plus précisément dans le duché de Saxe-Weimar-Eisenach, qu'est-ce que le monde pour quelqu'un du 19e siècle dans cette situation-là, qui, au moment où il réfléchit à la Weltliteratur, a plus de 70 ans, et quelqu'un qui est connu internationalement, le monde pour lui n'était pas exactement le même que le monde pour des contemporains qui vivaient en France. Il avait une autre conception du monde, et si je n'ai pas traduit Weltliteratur dans mon titre en français, c'est parce qu'il y a deux traductions concurrentes de Weltliteratur en français, et entre lesquelles, j'ai pour ma part choisi, mais je veux m'en expliquer, la plus fréquente
des traductions de Weltliteratur, c'est littérature universelle. Si vous lisez les textes de Goethe, ils sont très rares, dans lesquels apparaît la notion de Weltliteratur, ceux qui sont traduits en français, le plus souvent, c'est-à-dire presque exclusivement, la traduction en sera littérature universelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde vu depuis la France, c'est un monde qui privilégie l'universalisme et l'universalité. Alors qu'on peut très bien imaginer que le monde depuis Weimar au XIXe siècle, c'est un monde qui n'est pas forcément d'emblée universel et qui, disons, devient mondial en quelque sorte à partir d'une agrégation de territoires, de cultures, etc. Donc si vous traduisez Weltliteratur par littérature universelle, l'une des richesses même de la notion de Goethe est perdue, à savoir qu'on atteint la mondialité que par une coordination de cultures littéraires différentes. Et si vous cherchez l'universel d'emblée, ce que vous allez trouver dans l'ensemble des littératures, c'est le plus petit dénominateur commun. Et ce plus petit dénominateur commun, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'attribuer à l'espèce humaine, comme telle. On trouve ça un peu chez Goethe, mais ce n'est pas la dominante, à mon avis. Alors que si vous traduisez Weltliteratur par littérature mondiale, vous laissez ouverte la question de savoir comment on accède à la dimension mondiale de la littérature. Et je crois que dans les réflexions de Goethe, cette question était une question centrale de sa réflexion sur la Weltliteratur. Ce à quoi il réfléchissait, c'est comment la littérature peut devenir mondiale. Non pas ce qu'elle a de mondial dès le départ, mais comment elle peut devenir mondiale. Et donc le Welt dans Weltliteratur, c'est d'abord un projet, avant d'être une donnée acquise. Et donc lorsqu'on traduit Weltliteratur par littérature universelle, on a déjà tranché cette question. On a déjà mis l'accent sur le point de départ, en quelque sorte, supposé de tout ce qu'il y aurait de comparable dans toutes les littératures du monde et de l'histoire. Donc, je vais parler de Weltliteratur et je vais essayer de garder le mystère, en quelque sorte, de ce terme aussi longtemps que possible. Donc, il ne faut pas traduire trop vite ce terme. Et il ne faut pas le traduire avant les autres. Parce que ce terme a déjà été traduit, et ces traductions nous indiquent ce qu'on a entendu à chaque fois par Welt et par littérature après Goethe. Et j'ai fait le travail pour certains des usages du terme de Weltliteratur dans le monde entier, donc certaines de ces traductions, de ces réappropriations, etc. On trouve le terme... d'abord en Allemagne, bien évidemment, en France, en Italie, en Espagne, puis aux États-Unis, en Inde, en Russie, en Chine, au Japon, etc. Donc, à chaque fois, le terme de Weltliteratur est traduit dans la langue indigène. En anglais, ce sera World Literature. Bon, ça, il n'y a pas trop d'ambiguïté. En russe, Il y a deux traductions possibles, l'une qui était celle de Gorky, l'autre qui sera celle de la propagande stalinienne, j'y reviendrai, mais qui engage deux rapports différents au monde aussi, le même que celui qu'il y a entre universel et mondial. Et en chinois, par contre, il n'y a qu'une notion, mais qui là aussi est assez complexe. Donc, ne pas traduire trop vite, c'est laisser l'ensemble de ce qu'il y a de fragile dans le terme de Weltliteratur se déployer librement. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment, et c'est ce qui permet à cette notion aujourd'hui d'être si actuelle. Donc on peut, à partir de ce tact, en quelque sorte, de la pensée, suivre l'influence de Goethe dans le monde entier. Ça ne va pas être le thème de ma conférence, mais c'est ce que j'ai fait, notamment dans Spectre de Goethe. Si l'on suit cette histoire, on remarque que Goethe a... lancé cette notion en 1827, et les réappropriations de cette notion dans le monde entier ont été à chaque fois très discrètes, fugaces, timides. Donc chaque fois que le terme apparaît, c'est souvent chez un auteur qui ne l'utilise qu'une ou deux fois dans sa carrière.
Et donc, pour bien comprendre le sens de chacune de ces appropriations, de ces traductions, il faut faire un travail de contextualisation. Mais si on fait ce travail aussi bien en Inde qu'en Russie ou en Union soviétique à l'époque, qu'aux États-Unis, à Chicago ou en France, qu'est-ce qui apparaît ? On voit une autre histoire de la culture se détacher, une histoire qui est indissociable d'un certain cosmopolitisme, d'un idéal pacificateur et d'une idée des liens entre littérature et politique qui est un peu différente de celle qu'on défend généralement dans les histoires du modernisme littéraire, à savoir que la littérature souvent s'est construite comme de façon autonome par opposition au monde de l'économie ou au monde de la politique. Donc ce qu'on a, c'est une réflexion sur la littérature, une idée de la littérature qui, à chaque fois, se fait à l'horizon de ce qu'il pourrait y avoir de mondial dans les échanges culturels et ce qu'il pourrait y avoir aussi de pacificateur dans la connaissance ou l'interconnaissance des cultures. J'y reviendrai, bien évidemment. Et si je fais ce long préambule qui vous met... qui est une sorte de tour de chauffe de la notion, c'est aussi pour vous dire que la façon dont il faut, à mon avis, parler aujourd'hui de Goethe, c'est une façon qui réactualise la pensée de Goethe au XXIe siècle. Et donc, il faut aussi prendre la mesure de ce que signifie le fait de parler de Weltliteratur ici, à Colonie, au XXIe siècle. Ici, à Colonie, c'est-à-dire à la Fondation Martin Baudemer, et au XXIe siècle, c'est-à-dire dans le contexte actuel, qui, à maints égards, est assez préoccupant. J'y reviendrai à la fin. Venons-en maintenant à ce que Goethe a voulu dire par Weltliteratur, l'idée qu'il a entreaperçue, l'intuition qu'il a eue, ou peut-être l'utopie qu'il a eue, lorsqu'il a évoqué la notion de Weltliteratur. Il faut commencer par s'imaginer quand apparaît cette notion chez Goethe. C'est un Goethe extrêmement... c'est un Goethe extrêmement connu qui pense cette notion-là. Un Goethe qui a, comme je l'ai dit, plus de 70 ans et qui il reste 5 années à vivre au XIXe siècle. Donc c'est entre 1827 et 1832 que Goethe va laisser des traces de sa réflexion sur la Weltliteratur. Alors bien évidemment, ces traces et cette réflexion sur la Weltliteratur est là une genèse qui nous permet de traverser l'ensemble de l'œuvre de Goethe. C'est pas ce que je vais faire. Je vais prendre ces 5 années et essayer de réfléchir sur ce que Goethe a pu dire véritablement sur la Weltliteratur comme telle. Entre 1827 et 1832, donc, on a des traces, des bribes, guère plus, de ces réflexions en germe de Goethe sur la Weltliteratur. Quelle forme ça prend concrètement ? Ça prend la forme des conversations avec Eckermann, son secrétaire, vous le savez, qui, pendant quelques années, systématiquement, lorsqu'il rentrait chez lui, couchait sur le papier les discussions qu'il avait pu avoir avec Goethe chez lui. Et ces conversations, elles couvrent notamment les années 1827 à 1832. Et donc, on a des traces des réflexions de Goethe sur la Weltliteratur dans ces conversations-là. On a aussi des traces des réflexions, mais souvent c'est un paragraphe, une phrase, dans la correspondance de Goethe avec certains de ses interlocuteurs d'alors. Ou alors dans des manuscrits, notamment des préfaces, qui n'ont jamais paru, mais dont on a conservé les manuscrits. Et donc, c'est à partir de cet ensemble de bribes que les exégètes de Goethe, les spécialistes de Goethe, ont tenté de reconstituer ce que pouvait être la pensée de Goethe sur la notion de Weltliteratur, de littérature mondiale. Et si on fait la liste de l'ensemble des occurrences dans l'œuvre de Goethe de cette notion-là, on s'aperçoit que souvent, la notion de Weltliteratur, elle n'est pensée et formulée ou exprimée que dans un rapport de dialogue avec Eckermann, dans une correspondance, dans une préface qui commente une œuvre qu'elle aurait été censée précéder, etc. Donc, de nouveau,
peut-être la fragilité de cette notion de littérature mondiale avec laquelle j'ai commencé, elle tient peut-être au fait qu'elle ne peut exister que dans un dialogue, et non pas de façon péremptoire, assénée, assertée par un seul penseur à la fois. Donc en janvier 1827, on peut dater ça, ça fait une sorte d'histoire événementielle de la littérature mondiale, en janvier 1827, Goethe a une sorte d'eureka philosophique qui lui fait entrevoir ce que pourrait être la Weltliteratur, non pas ce qu'elle est, mais ce qu'elle pourrait être. Il a sur sa table de travail une traduction de chansons serbes en français. Il a aussi sur la même table une traduction en anglais de poèmes classiques chinois, des poèmes de cour extrêmement sophistiqués, et il a sur sa table, la même table, en janvier 1827, un roman chinois traduit en français. Et c'est en quelque sorte dans la collision de ces différents textes que l'étincelle lui vient d'une littérature mondiale. Donc ça attire notre attention sur deux choses. D'une part, que le concept même ou l'idée qu'il va se faire de la littérature mondiale, elle n'est pas eurocentrique. La littérature chinoise participe de la littérature mondiale, d'une part, et d'autre part, que la traduction est centrale dans la réflexion sur la littérature mondiale. Sans traduction, il n'y a pas de pensée de la littérature mondiale, et Goethe ira plus loin, sans traduction, il n'y a pas de littérature mondiale. Et donc la traduction, c'est le premier point, est l'une des composantes majeures de la direction, en quelque sorte, que donne Goethe à la notion de littérature mondiale. À Weimar et à Iéna aussi, vous n'êtes pas sans savoir que il y a une réflexion, une culture de la traduction qui est un des grands moments européens de la réflexion sur le passage d'une langue à l'autre, sur ce que la traduction peut apporter à la culture. Donc on a un Schleiermacher, on a Goethe, on a Wieland qui non seulement traduisent mais écrivent des textes philosophiques sur la traduction. C'est la naissance aussi de l'herméneutique telle qu'on la pratique encore aujourd'hui, et une herméneutique qui est indissociable de la traduction. Et donc dans ce contexte-là, Goethe va inscrire la Weltliteratur dans cette importance de la traduction. Et pour prendre vraiment la mesure de ce que la place de la traduction dans la Weltliteratur donne à cette idée même de la littérature mondiale, il faut peut-être faire une petite parenthèse philosophique sur les Lumières allemandes. Vous verrez que ce qui avait été pensé autour de la Bildung, de la formation des individus, va être transposé dans la Weltliteratur à la formation d'une culture. Alors qu'est-ce que, si je simplifie, qu'est-ce que la Bildung dans ces années-là est pensée et quel est le lien avec la traduction? On en vient dans les sphères de la philosophie, de la pédagogie et des réflexions sur la traduction, on en vient à penser que la constitution du sujet ne peut pas être le produit d'une introspection. Et que pour se constituer en sujet, il faut en quelque sorte un rapport à autre chose que soi-même, que ce soit l'étranger, autrui, etc. Et la véritable connaissance de soi, et donc l'arrivée à cette fameuse maturité morale, intellectuelle, etc., elle passe par un retour à soi. Et pour pouvoir faire un retour à soi, il faut passer par autre chose. Et ce détour-là, ça va être, à mon avis, l'un des plus grands héritages des Lumières allemandes jusqu'à aujourd'hui, et ça passe par la traduction. Donc il se passe là, à la fin du XVIIIe siècle, et la notion de Weltliteratur va s'y inscrire, une grande bifurcation philosophique dans la pensée européenne. Soit on suit Descartes et on pense que le sujet peut s'instituer tout seul, lui-même par une pratique systématique du doute, soit on pense, à l'inverse,
que le sujet ne peut pas s'instituer lui-même et il doit passer par autrui, autre chose qui le, en retour, le constitue lui-même. Donc vous, vous avez compris que Goethe et l'ensemble des réflexions autour de la traduction à Weimar, Iéna, etc., prend le deuxième axe, qui est presque un axe anti-cartésien, et fait de la traduction la manière la plus propre pour rendre compte de ce phénomène de Bildung. Donc il faut, pour que je puisse me constituer moi-même, pour que je puisse arriver à une quelconque maturité, il faut que je fasse l'épreuve de l'altérité. Alors après, ça c'est le noyau, en quelque sorte, la matrice philosophique. Vous aurez des déclinaisons très variables. Pour Hegel, ce passage-là, ce sera la dialectique qui passe par la négativité. Bon, c'est juste pour donner des repères, etc. Et cette bifurcation-là, on peut la suivre jusqu'au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Si on prend, c'est une courte parenthèse, mais Ricoeur, soi-même comme un autre, il suit cette bifurcation. Lévinas, qui réfléchit sur la façon dont l'autre me constitue et cette dette que j'ai envers l'autre, c'est cet héritage-là aussi. Donc, la Weltliteratur, elle va prendre cette idée constitutive du détour et du retour à soi pour, en quelque sorte, spécifier les conditions auxquelles une culture peut devenir mature, mûre. Et donc la façon dont une culture va pouvoir se connaître elle-même et arriver à une véritable maturité morale, intellectuelle, philosophique, etc., ça passe par le détour par autrui et l'épreuve des cultures étrangères. Et ça passe par la traduction. Vous allez voir l'importance que ça va prendre par rapport aux tenants de la littérature nationale, qui eux pensent que le peuple peut se définir tout seul et que la littérature nationale peut n'être que le reflet de ce peuple qui existe comme tel. La Weltliteratur, c'est un tout autre projet philosophique. C'est le projet philosophique qui consiste à dire qu'une culture, de même que les individus, ne peut se constituer elle-même que dans des échanges avec des cultures étrangères. Et que si elle n'échange pas avec des cultures étrangères, elle ne se constitue elle-même qu'imparfaitement. Elle n'arrive pas à la maturité que visait le projet des Lumières et de l'Aufklärung. Donc la traduction, elle est centrale pour Goethe. Et Goethe lui-même a traduit, on le sait, directement, mais aussi de façon plus, disons, analogique, en quelque sorte, dans le divan occidental-oriental, qui est un de ses derniers grands recueils de poèmes inspirés de la lyrique persane. Goethe lui-même a été traduit, et la façon dont les textes lui sont revenus en langue française, en italien, etc., ont été pour lui un motif d'émerveillement permanent, où il se redécouvrait écrivain. Il y a un moment dans les conversations avec Eckermann où il dit « Ah, j'ai reçu un texte que j'ai lu en français, je me suis dit « Ah, c'est très bien », avant de me rendre compte qu'en fait, c'était une traduction de ma propre pièce. Donc, là aussi, il y a une réflexion sur ce qu'apporte ce retour sur soi, permis par la traduction. Donc, la traduction, c'est au centre des réflexions sur la littérature mondiale pour Goethe. Le deuxième point, c'est que la deuxième composante de la littérature mondiale ou de la Weltliteratur pour Goethe, c'est une dimension critique. La Weltliteratur, c'est une idée ou une intuition ou une méditation, c'est pas vraiment un concept pour Goethe, qui est polémique. Implicitement polémique, mais polémique néanmoins. La Weltliteratur s'oppose à la nationale littérature, à la littérature nationale. Elle s'oppose non pas en l'excluant, mais en redéfinissant sa place. Et ce que je vous ai dit, qui était peut-être très abstrait sur la façon de se constituer soi-même, elle donne les termes de la polémique. Pour Goethe, la littérature allemande, elle existe, mais elle n'existe que, ou elle n'existera véritablement que si elle se nourrit du point de vue qu'ont les autres littératures sur la littérature allemande. Donc c'est ce retour sur soi qui importe et qui permettra
selon Goethe, à la véritable littérature allemande, d'émerger et d'en venir à concurrencer, en quelque sorte, les littératures déjà bien établies que sont la littérature française, que sont les littératures françaises et anglaises, par exemple. C'est ces exemples les plus souvent invoqués. Donc, pourquoi est-ce que la nationale littérature, dans les, disons, chez les tenants de la nationale littérature qui lui sont contemporains et qui lui seront immédiatement postérieurs, pourquoi est-ce que la nationale littérature telle qu'ils la conçoivent eux est insuffisante? C'est parce qu'elles pensent, enfin ces gens-là pensent que la littérature c'est l'émanation d'un esprit du peuple. Et donc, un esprit du peuple qui... Non, et ça veut dire concrètement que la littérature peut exister sans échange avec les autres cultures littéraires. Et que la vraie littérature allemande, pour ceux qui seront bientôt les détracteurs de Goethe, la vraie littérature allemande, c'est celle qui exprime le mieux le peuple allemand. Et Goethe dira, on ne peut pas exprimer adéquatement le peuple allemand si on ne confronte pas ce qu'est le peuple allemand avec d'autres cultures qui se pensent elles-mêmes un peu autrement. Donc première critique, c'est la dimension nationale, ou même au XIXe siècle, nationaliste de la littérature. Vous savez que la littérature et la critique littéraire, l'histoire littéraire, au XIXe siècle et jusque assez loin dans le XXe siècle, ont contribué à l'affermissement et à la consolidation des États-nations en apportant en quelque sorte à des structures qui étaient administratives, bureaucratiques et politiques, une sorte de légitimation culturelle. L'histoire littéraire, en tant que discipline, elle a d'abord eu comme rôle de prouver, en quelque sorte, qu'il existait quelque chose comme de la littérature française, de la littérature allemande, de la littérature anglaise, et donc de remonter aussi loin qu'il le fallait pour prouver la permanence d'un esprit français ou d'un peuple français dans sa littérature. Et de même pour l'Allemagne, et toutes les tentatives de résurrection folklorique de contes, etc., participaient aussi de cette idée d'aller chercher dans le folk, dans le peuple, les ferments de la culture. La Weltliteratur, la littérature mondiale, comme idée, comme utopie, se situe non pas exactement aux antipodes de la nationale littérature, ainsi conçu, mais assez loin. Et Goethe, je l'ai dit, il croit en une littérature allemande, mais ce qu'il y a d'allemand dans la littérature vient après l'inscription des Allemands dans des échanges mondiaux. Ce n'est pas des Allemands qui se constituent tout seuls et qui, après, vont discuter avec les Français ou les Anglais. Ce sont des Allemands qui échangent tout de suite avec les Français et les Anglais et qui apprennent à mieux se connaître eux-mêmes dans ces échanges-là. Donc les échanges, ici, sont constitutifs des identités nationales, en tout cas culturelles. La deuxième dimension critique de la Weltliteratur telle que la conçoit Goethe, elle est très surprenante, et elle émerge petit à petit au cours de ces 5 années de réflexion de Goethe à la fin de sa vie. On voit que c'est à partir de 1829... que ces réflexions sur la Weltliteratur se teintent en quelque sorte d'une forme de désillusion ou de désenchantement ou d'inquiétude. Et cette inquiétude, elle tient au fait que Goethe se dit tout à coup « Mais peut-être que la littérature mondiale telle que je la rêve, elle existe déjà, mais elle existe déjà telle qu'elle est en quelque sorte constituée ou favorisée par les forces du marché. » Autrement dit, ce qu'il commence à craindre en voyant de plus en plus de traductions sur son bureau, des mauvaises traductions souvent, des traductions de deux ou troisième main, c'est-à-dire c'est des traductions en français mais de l'anglais, et l'anglais du chinois, etc. Ce qu'il voit, c'est qu'il y a déjà des échanges internationaux en matière littéraire, il y a déjà une grande perméabilité des cultures littéraires entre elles, mais que ce qui circule l'est en quelque sorte sous le coup des forces du marché. Et donc ce qu'il commence à craindre, c'est que la mondialisation littéraire qu'il appelle de ses voeux ne favorise finalement qu'un certain type de littérature et que cette littérature soit une littérature, disons, commerciale,
et ne soit pas, disons, aussi noble ou aussi grande que celle qu'il imaginait vouloir, promouvoir ou encourager par les échanges littéraires. Donc, on s'aperçoit progressivement que Goethe, alors il y a plusieurs manières de le dire, il y a des manières plus ou moins anachroniques, mais Goethe commence à prendre conscience de la place que prend, alors pour le dire rapidement, le capitalisme culturel dans les échanges internationaux, et il commence à s'inquiéter de la direction que donnent aux échanges littéraires internationaux ces forces du marché. Et donc, c'est anachronique de le dire, mais ça rend l'esprit, en quelque sorte, de Goethe, il y a une forme de critique du capitalisme chez Goethe dans sa notion de littérature mondiale. Et il va même aller jusqu'à rêver, sur le modèle de la franc-maçonnerie, d'une église secrète qui défendrait les intérêts de la grande littérature mondiale par opposition aux intérêts bassement matériels et commerciaux de la mauvaise littérature mondiale qui commence à se diffuser et qui, dirait-il aujourd'hui, est en vente dans les kiosques des aéroports, pour aller vite. Donc, il y a une critique dans la belle littérature, selon Goethe, il y a une critique d'une certaine mondialisation par le bas qui s'opposerait au rêve que lui associait à la belle littérature, qui serait une mondialisation par le haut. Et cette dichotomie liée intrinsèque à la belle littérature, à la pensée de la belle littérature, on va la retrouver au cours des deux siècles qui vont suivre. Souvent, quand des penseurs, des écrivains, des universitaires parlent de littérature mondiale, de Weltliteratur, ils ont toujours cette anxiété ou cette sorte de dédain pour la mondialisation culturelle commerciale, en quelque sorte. Et le risque ici, c'est de tomber, comme la plupart le font, dans une sorte de consensus. Oui, c'est vrai que, alors pour donner des noms quand même, il faut en donner aujourd'hui, Guillaume Musso, c'est pas exactement la même chose que, Trent Stromer, le prix Nobel, ou Orhan Pamuk, pardon. On peut le dire, mais ce consensus, il est trompeur. Pourquoi ? Revenons à Goethe. Le roman chinois traduit en français qu'il a sur sa table, c'est probablement, on n'est pas sûr, mais probablement Les Deux Cousines. C'est un roman du fin 17e, début 18e siècle, traduit par un sinologue français de renom, qui sera au Collège de France, qui lui a probablement envoyé son exemplaire à Goethe, puisque dans sa préface, il fait le lien entre Les Deux Cousines, ce roman, et une pièce de Goethe. Donc il y a de grandes chances que ce soit ce roman-là qui ait été, en quelque sorte, à l'origine, en partie, de son idée de la belle littérature et d'une mondialisation par le haut. Mais qu'est-ce que c'est que ce roman chinois ? C'est un roman d'un genre bien particulier qui s'appelait La Belle et le Lettré. Et c'était un genre extrêmement codifié. Il y a des centaines de romans dans ce genre-là. Et c'est un genre qui, progressivement, pour certains, disons, chinois, notamment au XXe siècle, ressortit de la mauvaise littérature. On va progressivement considérer que Les Deux Cousines, c'est du roman de gare, en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend sur la mondialisation par le haut et la mondialisation par le bas ? C'est que le rêve de Goethe sur la mondialisation par le haut, la circulation des seules grandes œuvres littéraires, ce rêve-là, il n'a été rendu possible que parce que lui avait eu accès à des ouvrages commerciaux, mal traduits, etc. Donc je ne suis pas en train de critiquer Goethe pour dire qu'il avait mal compris, il avait rien compris à la littérature chinoise, et même ceux qui vont, disons, dénigrer les deux cousines comme étant de la mauvaise littérature, vont dire « Goethe est d'autant plus grand qu'il a vu, à travers un mauvais roman de gare, la vraie grandeur de la littérature chinoise ». Je ne suis pas en train de stigmatiser ou de faire l'ironie sur le dos de Goethe, je suis simplement en train de dire que
il ne faut pas croire trop vite que la question de la bonne et de la mauvaise littérature mondiale est tranchée. Et d'autant plus aujourd'hui que vous avez souvent une intrication de la valeur littéraire, disons le prix Nobel, et de la valeur commerciale des œuvres. Souvent, les prix Nobel sont ceux qui vendent énormément, même avant d'être prix Nobel. Et si vous allez à la foire de Francfort, par exemple, la foire internationale du livre de Francfort, qui est un des grands hauts lieux de la littérature mondiale aujourd'hui, vous avez bien évidemment Guillaume Musso, par exemple, mais vous aurez aussi des poètes africains, confidentiels, qui publient dans leur langue native et qui sont accueillis pour des résidences à Francfort durant le salon. Donc autant le mainstream commercial que des œuvres extrêmement exigeantes, ancrées dans une langue presque intraduisible, etc. Donc littérature mondiale, oui, mais à condition de ne pas reconduire aujourd'hui cette sorte de dédain pour les forces du marché et à condition de ne pas croire trop facilement résolu la valeur même de la littérature. Dernière chose, donc troisième composante de la Weltliteratur pour Goethe, c'est que derrière Weltliteratur pour lui, il y a, vous l'avez compris, une émulation des écrivains de différentes cultures littéraires. Se lire les uns les autres, se discuter, c'est produire à l'échelle européenne, mais Goethe pense mondiale, une émulation entre les écrivains qui, pour Goethe, ne peut être que bénéfique à l'ensemble de la culture de son époque. Et l'exemple qu'il prend souvent durant ces années-là, c'est un livre de Carlyle, donc l'écrivain anglais, sur Schiller, en disant « Carlyle a vu chez Schiller des choses que nous, Allemands, nous ne voyions pas, nous n'avons pas vues ». Et il faut ce regard étranger sur la littérature allemande pour comprendre ce que nous pouvons améliorer nous-mêmes. Et dit-il, si nous restons entre nous, entre écrivains allemands, on va rester provinciaux. Parce qu'on sera aveugle à nos propres défauts et on ne va pas corriger nos défauts de façon à devenir audible à une échelle plus grande que celle de la seule culture allemande. Donc cette émulation, elle est censée, pour Goethe, permettre aux écrivains d'améliorer leurs œuvres et de rentrer de plein pied dans le concert de la littérature mondiale. Dernière chose, quatrième donc très important, c'est que la littérature mondiale pour Goethe, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement passé, ce n'est pas seulement un patrimoine hérité, c'est quelque chose qui est à venir. C'est quelque chose dont il faut, dit-il, hâter ou précipiter ou accélérer l'avènement. Donc c'est un projet. La littérature mondiale, c'est un projet. Et on voit durant ces années-là, Goethe écrire à des jeunes revues européennes, l'Écho à Milan, le Globe à Paris, en les félicitant de contribuer à ce que lui considère comme étant la littérature mondiale. Donc il écrit au Globe en disant « Ce que vous faites est merveilleux, car il me semble, dans votre projet, vous contribuez à l'avènement de cette littérature mondiale qui me tient à cœur. » Donc, je résume, rôle crucial de la traduction, dimension polémique intrinsèque à la notion de littérature mondiale, émulation et même pédagogie, puisque Carlyle, lisant Schiller, devient en quelque sorte un maître esthétique pour les écrivains allemands, et enfin, projet à mettre en place. Donc ces dimensions vont donner lieu à une réflexion sur deux siècles qui courent jusqu'à nous, dont je vous passe le détail, mais qu'on peut serrer en trois grandes généalogies, en quelque sorte. Une généalogie ou un héritage philologique qui met l'accent sur la traduction notamment. Et cet héritage-là, dès les années 1830-1840, vont être à l'origine
de la naissance de la littérature comparée, comme critique, comme dimension, enfin, rapport au texte critique, etc. Donc les départements actuels de littérature comparée sont des héritiers historiques de la littérature mondiale telle que Goethe l'a pensée, et dans sa veine philologique, c'est-à-dire avec cette importance cruciale donnée à la traduction. La dimension critique, là aussi, elle a couru jusqu'à nous, et elle est encore aujourd'hui utilisée comme une manière de... donc la Weltliteratur, la littérature mondiale, une manière de déchiffrer les rapports de pouvoir à l'échelle mondiale, les rapports de pouvoir culturel à l'échelle mondiale. Des gens comme Franco Moretti aujourd'hui, qui sont des héritiers du marxisme, donc des gens comme Franco Moretti, on appelle à la notion de littérature mondiale comme une manière possible de cartographier les échanges entre les différentes littératures régionales, nationales ou régionales, et la littérature mondiale. Cette cartographie-là, elle permet de comprendre où est le centre, où sont les centres littéraires et où sont les périphéries littéraires. Et le travail que Franco Moretti a fait pour le 19e siècle, notamment, montre que l'Angleterre et la France, ou plus précisément Paris et Londres, sont les superpuissances narratives du 19e siècle. Ce sont les centres où se crée le roman, roman historique, roman sentimental, etc., et à partir duquel le centre, ces formes-là se répandent à l'échelle mondiale, puisque à la fin du XIXe siècle, on fait du roman historique partout. Au Japon, au Mexique, en Afrique, en Inde, etc. Donc il y a encore cette généalogie critique qui est centrale dans les usages contemporains de la littérature mondiale. Et enfin, il y a dans le sillage de cette réflexion sur l'émulation un usage pédagogique ou une généalogie pédagogique de la notion qui est la plus négligée mais qui est peut-être la plus fascinante, puisque il y a eu à partir du début du XXe siècle des cours de littérature mondiale qui n'étaient pas seulement des cours, à l'université, ou disons, non, je reformule, il y a eu une pédagogie qui a été mise en place autour de la littérature mondiale. On a associé, donc on a repris l'idée de Bildung et de l'importance de la place centrale de la littérature mondiale dans cette formation du citoyen, et on lui a donné des... déclinaison assez pittoresque et assez... Bon, pittoresque, c'est pas le mot, parce que parfois c'est assez tragique, mais assez étonnante. Première, je vais donner trois exemples juste pour vous suggérer l'intérêt de cette question-là. Premier exemple, c'est Chicago. Dans les années 1910, à l'Université de Chicago, on importe d'Angleterre une conception de l'université ou de l'ouverture de l'université qu'on appelle les University Extensions, les extensions de l'université. Ce serait aujourd'hui la formation continue. Mais à l'époque, c'était assez progressiste et radicalement progressiste. Qu'est-ce que ça suppose ? Ça suppose de délocaliser les campus au plus près des lieux de travail, donc au centre de Chicago, d'ouvrir des succursales de l'université au centre de Chicago, de donner des cours aux heures hors de bureau, pour que les employés puissent suivre ces cours-là. Et comme par hasard, parmi ces cours, l'un des cours les plus importants, c'est le cours de littérature mondiale à Chicago. C'est Moulton qui va le mettre en place. Pourquoi ? Parce que on pense que les employés qui n'ont pas eu l'occasion ou la possibilité de suivre des cours universitaires ou de se former adéquatement doivent savoir ce qu'est la littérature mondiale pour mieux comprendre dans quelle culture eux-mêmes s'insèrent. Et donc les cours de littérature mondiale, ça va être des préparations à une meilleure compréhension de ce qu'à l'époque on appelait la civilisation américaine. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, et c'est là que ça devient un peu plus tragique ou un peu plus, triste, c'est le projet pédagogique autour de la littérature mondiale en Union soviétique, disons avant et après la révolution russe, disons
en Russie encore, à Petrograd à l'époque, Maxime Gorki lance des éditions de littérature mondiale, où il se situe là dans le projet goethéen de meilleure connaissance des littératures et donc de traduction en russe des chefs-d'œuvre des autres littératures, dans l'idée que la littérature russe aurait tout à gagner de ces traductions-là. Alors après, il s'exile. Et dans les années 30, cette idée refait surface de littérature mondiale, mais elle refait surface sous la plume d'un idéologue stalinien qui s'appelle Radek, et qui associe la littérature mondiale à un projet de propagande soviétique ou communiste. Et la littérature mondiale devient l'ensemble des textes de toutes les publiés dans toutes les langues, mais qui sont conformes à une certaine idée de l'individu et de sa place dans la communauté ou dans le collectif. Autrement dit, deviennent littérature mondiale, peuvent accéder au rang de littérature mondiale les textes qui, pour simple, là je caricature, c'est pas aussi simple, mais qui montrent des héros positifs en lutte avec la nature qu'ils essayent de domestiquer et qui, à la fin, se sacrifient pour le bien de l'ensemble de leurs camarades. Donc il y a une dimension idéologique qui prend le pas sur la dimension esthétique, et ce qui était destiné à former des citoyens éclairés, au sens des Lumières, devient au contraire une entreprise d'inculcation idéologique des citoyens ou des citoyens soviétiques. Alors, malheureusement, la prérogative de la propagande idéologique n'était pas seulement de ce côté-là du rideau de fer, puisque dans les années 50, un autre projet pédagogique va naître autour de la littérature mondiale, mais cette fois aux États-Unis, sous forme d'anthologie de la littérature mondiale, et ce sera les Norton Anthology of World Literature, d'abord World Masterpieces, puis après World Literature, dans les années 50, et on commence à enseigner la littérature mondiale dans les colleges et les grandes universités, à partir d'anthologies qui, là aussi, répondent à certains critères idéologiques. Donc tout n'a pas sa place dans la littérature mondiale, dans la world literature, et ce qui mérite de devenir de la littérature mondiale, c'est au niveau des auteurs, des hommes blancs morts depuis plus de 100 ans et qui avaient une position majeure dans la société. Au niveau des contenus, ce seront des œuvres qui valorisent une certaine idée de l'individu, de la liberté individuelle, de la liberté d'expression, de l'inviolabilité du fort intérieur et donc de la libre conscience, etc., etc. Donc vous avez dans les années 50 une sorte de guerre de tranchées de part et d'autre du rideau de fer entre le projet stalinien d'Institut de littérature mondiale et de l'autre les Norton Anthology of World Literature qui prêchent presque l'inverse et qui essayent de former les citoyens américains à une idéologie qui est anti-communiste. C'est un peu plus compliqué que ça, mais si on simplifie les enjeux, c'est un peu ça, malgré tout. Voilà donc le panorama global de la Weltliteratur et de ce qu'elle est devenue jusqu'à aujourd'hui. Dans cette histoire-là, il y a Martin Bodmer. Et dans cette histoire-là, malheureusement, Martin Bodmer n'a pas vraiment eu sa place jusqu'à présent. Il la mérite pourtant, et j'aimerais conclure là-dessus. Donc Martin Bodmer, vous le savez, il a vécu entre 1899 et 1971. C'est lui qui a acquis la collection que gère aujourd'hui la Fondation Martin Bodmer, dont Jacques Berchtold est le directeur. Et Martin Bodmer, c'est ce qu'on oublie souvent, ou plutôt quand on l'oublie pas, on oublie de lui donner toute sa mesure. Martin Bodmer, il a conçu sa collection exclusivement comme une bibliothèque de la littérature mondiale. Tout ce que Martin Bodmer a fait en tant que bibliophile, que collectionneur, il l'a fait au nom de la littérature mondiale. Et donc, maintenant, après mes développements, on est en mesure de comprendre
ce que Bodmer lui-même attachait à cette notion-là. D'abord, il faut peut-être d'emblée pointer la singularité des réflexions de Martin Bodmer. Elle est double. D'une part, c'est le seul qui a prolongé ses réflexions sur la littérature mondiale d'une collection matérielle de livres appartenant à la littérature mondiale. Donc c'est la seule collection de littérature mondiale au monde. Et deuxièmement, deuxième singularité, c'est celui, étonnamment, qui a écrit le plus sur la littérature mondiale. Personne, à ma connaissance, n'a écrit autant de pages sur la notion de Weltliteratur que Martin Bodmer. Donc ces deux seuls faits devraient nous alerter sur l'importance de la littérature mondiale dans son projet et dans sa vie. Et donc si on prend acte de cela, on voit que Martin Bodmer n'est pas tant un bibliophile, disons, de talent qu'un intellectuel. Et un intellectuel qui, à partir de la littérature mondiale, de la Weltliteratur, a essayé de donner sens à sa vie et de transformer sa vie, en quelque sorte, en œuvre comme telle. Et donc, si on peut être ici aujourd'hui, c'est grâce à une réflexion de 50 ans sur la Weltliteratur. Alors, qu'est-ce que Bodmer... de quoi Bodmer hérite-t-il de Goethe? On pourrait dire de toutes les composantes de la Weltliteratur. Et là, c'est encore une de ses singularités. La plupart des penseurs ou des écrivains qui se sont emparés de la notion de Weltliteratur ne lui empruntent généralement qu'une dimension. La pédagogie, la critique, le patrimoine, etc. Or, Bodmer, c'est l'un des seuls qui a essayé d'être le plus cohérent dans sa vie pour activer en quelque sorte ou rendre effectif toutes les dimensions que Goethe avait associées à la littérature mondiale. Alors, pour commencer, prenons la notion de traduction. Pour Martin Bodmer, non seulement dans ses réflexions mais dans sa pratique de collectionneur, la traduction est centrale dans les littératures et dans la littérature mondiale. Quand Bodmer acquérait un livre, par exemple de Dante, la Divine Comédie, il faisait en sorte aussi d'acquérir toutes les traductions de la Divine Comédie accessibles à sa collection. Donc dans la collection Bodmer, vous avez non seulement les premiers exemplaires ou les plus beaux exemplaires de la Divine Comédie, mais vous avez aussi toutes les traductions que Martin Bodmer a pu se procurer de la Divine Comédie en français, en anglais, en allemand, en norvégien, etc. Pour ce qui est du Faust, par exemple, vous avez des traductions du Faust en ourdou. Alors vous pouvez dire qu'est-ce que ça vient faire dans une collection comme celle de Martin Bodmer. C'est tout à fait logique. Parce que la traduction, c'est la trace de l'impact qu'a eu un texte sur les autres littératures, c'est la trace de la formation croisée des littératures les unes en échange avec les autres. Donc la collection Bodmer, elle est indissociable de cette réflexion sur la traduction. Ensuite, le lien avec les écrivains contemporains. Je vous ai dit, Goethe a écrit au Globe, à l'Écho, il était en relation épistolaire avec des centaines d'écrivains, d'intellectuels, d'hommes politiques en Europe de son vivant. Et là encore, Martin Bodmer a pris au sérieux cette idée que la littérature mondiale doit être instituée en projet. La littérature mondiale doit être promu, consolidé, on doit lui donner les moyens de se déployer, non pas seulement dans le passé, mais dans le futur. Et la partie de son œuvre qui correspond à cette dimension-là de la littérature mondiale, c'est la revue Corona, qu'il a lancée et dirigée entre 1930 et 1943. Dans cette revue, vous avez les grands noms de la littérature européenne.
européenne parce que c'était lié aussi au réseau qu'avait Martin Baudemer. Donc vous avez Paul Valéry pour la France, notamment, je cite des noms au hasard, hein. Vous avez Selma Lagerlöf en Suède, prix Nobel, Hermann Hesse en Allemagne, prix Nobel, Benedetto Croce en Italie, tous ces gens-là qui étaient traduits dans la revue Corona, publiés, avec lesquels Martin Baudemer a entretenu des relations épistolaire, mais aussi très personnel, puisque Paul Valéry est venu plusieurs fois ici. Et donc, pour lui, la littérature mondiale, c'était pas seulement un patrimoine, c'est pas seulement sa collection, c'est aussi un dialogue vivant avec des écrivains vivants. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, si l'on réfléchit bien, il faut se demander où Martin Baudemer a situé l'usage polémique de la littérature mondiale. Si, comme il l'a dit dans le texte qu'a cité Jacques Berchtold, donc dans le texte de 1947, sa collection, c'est eine Bibliothek der Weltliteratur, une bibliothèque de la littérature mondiale, et si il est un héritier fidèle de Goethe, alors sa collection a une dimension critique. Et elle a une dimension critique contre une certaine idée patriotique, nationaliste, de la culture. Autrement dit, on peut, sans disons, prendre de risque, dire que l'idéal derrière la collection de Martin Baudemer, tel qu'on peut aussi disons, l'inférer à partir de ses nombreux carnets de notes manuscrites inédites, l'idéal qu'il y a derrière, c'est l'idéal d'une culture cosmopolite, et une culture cosmopolite qui, comme chez Goethe, maintient des nations culturelles ou des cultures nationales, mais qu'il ne les maintient que dans un échange entre nations. Et donc, dans une époque, disons, si on prend l'entre-deux-guerres, assez sulfureuse, malheureusement, à cet égard, et assez, disons, qui a donné des résultats absolument atroces, la notion de littérature mondiale, c'était un rappel contre le repli nationaliste des cultures. Et si l'on prend cette perspective sur sa collection, on voit tout à coup la cohérence qu'a son projet de bibliophile avec son engagement à la Croix, au Comité international de la Croix-Rouge. Vous le savez, Martin Baudemer a été vice-président de la Croix-Rouge pendant une douzaine d'années. Il a siégé pendant beaucoup plus longtemps dans son comité exécutif, sauf erreur. Et on comprend que ce qui l'a amené au Comité international de la Croix-Rouge, c'est le même idéal cosmopolite, ici dans une version humanitaire, mais de la culture et de l'échange entre les cultures. Si l'on revient à Goethe une ou deux minutes, certains ont pointé le fait que la notion de Weltliteratur, elle émerge seulement à la fin de sa vie, aussi parce que c'est pour Goethe une manière d'essayer de conjurer la violence qui avait prévalu dans, disons, une vingtaine d'années auparavant, au XIXe siècle, avec les guerres de Napoléon et, disons, la violence qu'avait connue le continent. Et donc, la notion de Weltliteratur en 1827, elle vise à conjurer une certaine idée de la nation qui peut déboucher sur des massacres. De même, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même un peu avant, la notion de Weltliteratur pour Martin Baudemer, elle est associée à un idéal pacificateur, avec ce rappel que une nation n'est pleinement elle-même que dans les échanges avec autrui, et que si on diabolise autrui et qu'on en fait le repoussoir dans la constitution d'une nation sans chercher à le comprendre, alors non seulement on se constitue soi-même imparfaitement, mais en plus ça débouche souvent, malheureusement, sur des massacres. Et donc la notion de Weltliteratur, elle va prendre durant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale dans la pensée de Martin Baudemer une sorte de développement extrêmement riche dans cette direction d'un cosmopolitisme pacificateur grâce à la culture. Et donc sa bibliothèque de la littérature mondiale, c'est l'un des lieux où les cultures coexistent en paix
Et c'est l'un des lieux où l'on n'est pas amené à se massacrer les uns les autres. Donc, je vais conclure maintenant. Bodmer, Martin Bodmer, est l'un des acteurs très importants et sous-estimés, même disons invisibles, de cette histoire de la littérature mondiale. Il a hérité de l'ensemble des composantes que Goethe associa à la Weltliteratur, et notamment ce qu'il faut rappeler de la dimension polémique de la Weltliteratur, même si Bodmer lui-même n'était pas très polémique, en tout cas en public. On peut lui prêter cette intention à la naissance de sa collection. Et donc vous voyez que si l'on prend Goethe, Bodmer, et qu'on réfléchit à l'actualité de la notion de Weltliteratur, de littérature mondiale au XXIe siècle pour nous, on est dans une période aussi inquiétante qu'elle pouvait l'être durant l'entre-deux-guerres. On est aussi enclin à des simplifications outrageuses, aussi bien sur les cultures étrangères que sur les forces du marché. Et donc la notion de Weltliteratur, si on la déplie de façon rigoureuse, nous amène à penser ou à déchiffrer notre époque avec peut-être un peu plus de nuance et un peu plus d'espoir que si on devait se passer de la notion de littérature mondiale. Je vous remercie.